Salut, c'est Warwick de Warwick Arcade Gaming, bienvenue sur Assassin's Creed Origins. Épisode un peu particulier, bon épisode non même pas, vidéo particulière dessus pour montrer les tombeaux. Alors les tombeaux, vous savez, avec les deux grosses pyramides, il y en a une petite à côté où j'ai beaucoup galéré pour trouver où était la relique, la tablette à trouver. Je vous montre aussi, dans cette vidéo, c'est la pyramide de Khéops, le tombeau de Khéops. Donc, du coup, une petite visite guidée pour montrer un petit peu l'architecture, le principe des parcours, des tunnels, etc. dedans. Donc là, au début, dans la première, il y avait un petit passage sur le côté, on a vu où je suis passé. Ça mène nulle part, hein, des choses à ramasser, mais ça mène nulle part. Donc ensuite, ces pyramides offrent une petite énigme, on va dire ça comme ça. Donc, pour ceux qui galèrent, on sait jamais, je vais vous présenter ça. Donc là, vous disiez, c'est d'abord une petite visite guidée de tout ce qu'on peut voir, de tout ce que j'ai pu voir, en raccourcissant certains passages, parce que là, ce passage-là, ça amène à un cul-de-sac. Je suis pas arrivé de l'autre côté, donc voilà. Donc là, après... Où cela mène-t-il ? Bah, nulle part. Cette porte est protégée par un piège mortel. Impossible de passer par là. Voilà, donc là, on revient au début, on reprend le passage... Et on continue à parcourir les couloirs. Je suis amusé au fur et à mesure en fait à allumer à chaque fois tous ces bras zéro. Ça m'a amusé. Voilà, c'est pour amener de l'éclairage, mais après, aucun intérêt particulier. Là, faut penser à s'accroupir pour pouvoir passer. Après, ça sert à rien. Là, faut se rappeler, voilà, quand il y a des scarabées comme ça, c'est qu'il y a un passage. Voilà, on arrive au tombeau. Donc ça, c'est la partie énigme du tombeau. On a un passage au fond avec un petit triangle bleu. Alors là, je ramasse tout ce que je peux. Voilà, là, il y a un petit triangle bleu. Là, c'est l'énigme. Il y en a deux petits triangles, un triangle de chaque côté qui indique quelque chose. Au début, je ne savais pas trop quoi en faire. J'ai mis un petit moment à comprendre. J'essaie de tirer à l'arc dedans. Et au final, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus bourrin que ça. Voilà. On casse. Ça vide le sable. Ça vire le contrepoids pour ouvrir le passage. On va essayer de grimper. Et on arrive à la fameuse tablette. Rechercher. Alors, au début, j'avais hésité à casser dans l'idée aussi. J'ai l'impression que c'était un piège, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, des choses à looter, des choses à regarder, c'est joli. Et la fameuse tablette. Voilà. Alors, le point intéressant, de vieilles écritures de l'ancien royaume, c'est que ça apporte un point de compétence. Voilà, un point d'aptitude. Donc là, il y en a trois à faire. Moi, je vais vous présenter deux là pour le côté énigme où on sait jamais hein, si ça vient pas hein, l'idée de péter ça, ça vous vient pas. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider si besoin est et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre tombeau, le plus petit à côté ou là où j'ai le plus cherché. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, bye bye.